Voilà ce que j'appelle une belle propriété avec vue imprenable sur la rivière. Regardez ce four. On se croirait chez ma vieille grand-mère, la reine des truffes. Tionnet ? Excusez-moi, je vous ai prise pour... Vous voulez tourner le saquier ? Non, je cherche quelqu'un. Les petits seaux déversent l'eau dans les canaux. C'est comme ça que nous irriguons nos cultures. C'est vous qui êtes chargée d'irriter la ferme ? Pas irriter, irriguer ! Ah oui, bien sûr, où avais-je la tête ? Dites-moi, vous connaissez une fillette qui s'appelle Chionnet ? Ses parents ne lui laissent pas tourner le saquier. Vous la connaissez ? Elle est venue ici ? Qui êtes-vous, hein ? Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. C'est votre ferme ? Vous êtes fermière ? C'est ma ferme et je suis fermière. Je suis aussi membre du Parlement égyptien. Je suis sagittaire, j'aime le ski nautique et le chewing-gum à la menthe. Je cherche une petite fille qui s'appelle Chionnet. Chacun son problème ! J'ai cherché quelqu'un pour nourrir mes oiseaux. Et pourtant, je ne vous traite pas de drôle d'oiseau. On dirait que quelqu'un a bien travaillé. Cette femme est paysanne et politicienne. D'après une loi de 1979, des femmes et des paysans doivent faire partie du gouvernement. Vous ne voulez pas m'aider à nourrir mes oiseaux ? Quand ils ont l'estomac plein, ils chantent à gorge déployée. Des dates. Répétez tous après moi. 1789, la Révolution. 1989, le bicentenaire de la Révolution. Je suis un martin pêcheur courtois, je plonge pour pêcher mes proies. Mais les filles jamais ne me croient, peut-être devrais-je fuir les oies. Je suis un milan noir, je viens de la grande ville et je chante l'espoir sur les berges du Nil. Je suis une poule d'eau esselée, un oiseau aquatique déplumé, pas plus grand qu'un poulet. On m'appelle Gallinacé Violet. Merci beaucoup. Toc, toc. Merci beaucoup. Maintenant, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous avez vu Chionnet ? Non. Vous savez où je pourrais la trouver ? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'aider ? Non. Merci beaucoup. Vous m'avez été d'un grand secours. Vraiment ? Non. Tu es dans les choux, mon vieux ! Dans la soupe aux choux ? Hein ? On est au bord de l'eau, non ? Et il fait chaud. Inutile de fuir la panthère. Pas question de s'enfuir. Je ne suis qu'une fermière. Je ne peux pas vous aider, à moins que vous ne vouliez acheter des choux. Il a volé une salade! Fuyons! Une salade? Une vraie salade tendre et craquante! Oh, j'en ai l'eau à la bouche! Tu creuses ta propre tombe, Pinky!
Mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Tu crois qu'il suffit d'une salade pour me faire faire le grand saut? Non, Louis, c'est trop dangereux. Oh, tout ça parce que tu sais que je suis mort de faim et que je suis très gourmand. Éloigne-toi de cette salade, Louis. Non, non, il me la faut. J'ai rien mangé depuis 8 jours. Non. Une très bonne salade. Gâchée. C'est le plus beau lancer de salade que j'ai jamais vu. Bizarre autant qu'étrange. On ne voit pas souvent de pigeons sur les bords d'une île. C'est un pigeon, le seul oiseau qui boive par le nez. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'apporte un message. Et comment es-tu arrivé en Égypte? Oh, serre-toi de ta tête pour une fois. J'ai volé. Je suis un oiseau, ça se voit. Mais je croyais que tu avais peur de... Ça suffit! Tu pourrais éviter de raconter ça devant des étrangers! Loué soient les poulets! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme! Je suis une poule d'eau, mais pas une poule mouillée! Je vous aurais prise pour une dinde! Quelle taille! Quelle cuisse! Alors, ce message que tu apportes, c'est quoi? Oh, tu n'as aucun tact! On ne te l'a jamais dit? Attends que nous soyons seuls tous les deux et je t'en dirai plus! Excusez, mon ami, pourriez-vous nous laisser? Bon, d'accord! Et dites à votre ami qu'en Égypte, le pigeon est un mets de roi. Je la déteste, c'est officiel. Je t'en prie, ne te disperse pas. Le message. C'est cette chère petite Chionnée. J'ai trouvé cette lettre près du lac, au camp Chiliwawa. C'est adressé à ses parents. Et j'ai voulu faire une bonne action, je l'ai donc apportée. Fun Schmarty m'a dit qu'elle détestait le camp et qu'elle s'était enfuie. Vraiment? Cette lettre va peut-être nous aider à la retrouver? Donne-la-moi. Passez vite, Pinky. Tu n'as pas oublié mon petit cadeau? Un gage de ton amour et de ta reconnaissance. Car tu m'aimes, bien sûr. Un scarabée! Il m'aime! Il m'aime vraiment! Oh, joie! Oh, bonheur! Oh non, ce sont des hiéroglyphes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse les hiéroglyphes. Je peux vous le lire. Ça veut dire « Je suis heureuse ». Oh, elle a l'air de bien s'amuser. Elle s'amuse bien? Oh, je ne comprends rien. Fun Schmarty m'a dit qu'elle était malheureuse. Il vaut mieux que je rentre au camp. Attendez, vous oubliez votre lettre. Merci. Pinky, à Schmarty, à vous Schmarty. Pinky, j'ai retrouvé Chionnée. Elle est revenue au camp. Et maintenant, elle est heureuse, c'est ça? Non, elle n'a jamais été aussi malheureuse de sa vie. Malheureuse? Je n'y comprends rien. Envoyez-moi un jet. Je rentre au camp immédiatement.